Et salut les amis, c'est The Link, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 10 de notre Let's Play sur Ocarina of Time, donc le 10e épisode. J'ai pas pu tenir en place, je vous le dis tout de suite, j'enchaîne là, j'ai fait l'épisode 9 juste avant. J'ai envie de visiter ce truc, ce domaine ce domaine Zora, pardon, excusez-moi. Et je tenais pas en place, donc j'avais envie d'enchaîner l'épisode, hein. J'ai un petit peu de temps de tournage, donc j'enchaîne. Ouah, gros lag! Et donc, voilà à quoi ressemble un Zora, mais on va lui parler. Qui es-tu? Nous sommes les Zora, fier peuple aquatique. Tu dis avoir quelques liens avec la famille royale d'Hyrule. Que pouvons-nous faire pour toi? Eh ben, j'aimerais bien récupérer. Oh, bonjour. J'aimerais bien récupérer votre perle en fait. Vous l'avez compris, si on va nager. Toute l'eau d'Hyrule provient de la fontaine Zora. Cette eau parcourt le fleuve Zora et aboutit dans le lac Ilia au sud. Ah, c'est l'endroit où on avait voulu aller la dernière fois où c'était bloqué avec les barrières, si vous vous souvenez. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? J'étais pas de bon profil. Domaine Zora. Ah ouais, je suis revenu à l'entrée en fait, j'ai remonté la même échelle. Je crois que j'étais. Je sais pas où. Vous savez, j'ai un sens d'orientation assez pourri, donc. Donc voilà, j'ai été vite paumé. Alors il y a une descente et une montée, c'est où en haut? C'est quoi en haut plutôt? Tout droit, salle d'audience du roi Zora, appliquez-vous au protocole. Ouais, bah on ira après du coup. On va récupérer un petit peu le poids ici. On va essayer de remonter à 99 ou 99 rubis, comme vous voulez, selon là où vous habitez. Ah bah voilà, c'est fait. Ah, il y a... Ah, il y a un truc ici. Quoi? Boutique Zora, le produit de la mer. On ira voir ça. Toi, tu dis quoi? Tu dis... Voilà. La fontaine Zora est la source du fleuve. Le grand Jabou Jabou vient de cette fontaine. Vit dans cette fontaine. Le grand Jabou Jabou est notre dieu. La princesse Ruto a pour mission de lui préparer ses repas matin et soir. Sérieux, c'est la princesse qui a des tâches, quoi, maintenant. C'est un peu bizarre, votre politique, hein. Oh, salut. Alors, je veux acheter un poisson. Mais je n'ai pas assez d'argent. Il ne me reste qu'à pêcher, hein. Il y en a dans ce coin. Alors, on va tenter un truc. Il y a des poissons à acheter, je l'ai vu. On va tenter un truc. On va tenter un coup de poker. Est-ce que on va réussir à les faire gober? Que ce poisson, ce poisson acheté, y'a là, on l'a eu, je crois. Vous obtenez un poisson utilisé avec au bon endroit pour qu'il se passe quelque chose. Assignez-le, oui. Nanana. Alors, on va lui montrer celui-là. Est-ce qu'il va l'accepter? Je ne sais pas. Sérieux? Really? Ok, c'est bon, on l'a repris. Mais what? Oui, je sais. Ok, tu veux pas. Bah, tant pis pour toi. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est quoi ça? Tunique Zora 3. 108. Créé par les Zora, cet habit pour adulte vous permet de respirer sous les feux. Cool. Flèche, 10 unités. Flèche, c'est bon, j'ai assez. Cœur de vie, pas besoin. Poisson 200 rubis, c'est une blague. Bon, il n'y a rien de très très intéressant ici. On ressort. On va monter plus haut. Je sais pas pourquoi je récupère des rubis. Mais... Et quoi là? Un truc là. Ok, c'est pour descendre en dessous. On descend rarement au-dessus, mais... Mais vous m'avez compris. Donc on va aller voir la fameuse salle d'audience là. Du roi ou je sais pas quoi. Du roi Zora. Ah oui. Préparez-vous à voir la créature la plus magnifique du jeu. Voilà, ceci est le roi des Zora. Voilà.
Non. Non, je m'en fous, je veux pas savoir. Et non, dans le quatrième tome, il sait, oui, je sais. Mais non, c'est faux en plus. Bon, on va lui parler. Notre chère et douce princesse Ruto. La base virale VPS a été mise à jour. Really, la base virale VPS? Comment ça me fait chier celle-là? Bon, ok, j'essaierai de la déactiver, je sais pas si c'est possible, mais je rechercherai ça. Parce que vraiment, ça fait deux fois en vidéo qu'elle me le fait, elle commence à me saouler. Autant c'est bien Avast, autant là, enfin, sérieux quoi. En plus, personne ne sait ce que ça veut dire ce truc-là. Enfin bref, parenthèse fermée. Faites pas attention, c'est pas grave. Donc, notre chère et douce princesse Ruto, mais où est-elle? Nous sommes si inquiets. Si inquiets, pardon, il n'y a pas de S ainsi. Quoi, c'est tout? Oui, un chemin là. Jeu du plongeon, aurez-vous le courage de plonger du haut de la falaise? Aïe. Évidemment qu'on aura courage. Enfin, sauf si ça atterrit à terre, mais... Jeu du plongeon, 20 rubis, tu veux essayer? Ouais! Parfait! Ramasse tous les rubis avant la fin du chrono. Passe cette épreuve et reviens me voir pour gagner un prix. Oh, intéressant. Ok, jette des rubis dans l'eau, il faut les récupérer. Oh, ça va, ils sont pas très très loin là, l'autre. Si. C'est parti! Yalla! Oh, le plongeon! Trop stylé. Plonge, Link. Non. Bon, ça me paraît très large en temps, mais... Allez. Je sais pas combien il y en a. Ça me paraît large en temps, mais... Il y en a deux tout près, je pense que c'est les derniers. Allez. Link. Plus qu'un. Ok, c'est bon, large. Enfin, si excellent en tout cas. Reviens en arrière, reviens en arrière. Ah, tu l'as pas. Sérieux. Allez, on se calme. Et c'est parti. Tu l'as. Voilà. Eh, hey, félicitations, j'ai un beau cadeau pour toi. Viens vite le chercher. Qu'est-ce que ça va être? Non, je voulais pas replonger. Alors, on remonte. Elle était où la petite entrée là? C'est quoi ça? Ok, lol. Truc totalement useless. Ah! Ok, et regardez, il y a un truc en bas. On ira voir après, on ira voir. D'abord, on va rapporter le cadeau à l'autre. Enfin, on va aller chercher notre cadeau peut-être. Et ben, c'est pas mal ici, hein. C'est très très beau, je trouve. L'ambiance est. Aquatique. Non mais même la musique fait très aquatique. Souvent très calme dans les jeux d'ailleurs, les musiques aquatiques c'est souvent très agréable. Allez. Salut. Ah, encore un gros lag. Ça m'énerve quand c'est fait ça. Quel magnifique plongeon. Je suis d'accord, le plongeon était épique. Prends donc ceci. Cette écaille de Zora te permettra de plonger plus profondément. Ah oui. Ah cool. Recevez l'écaille d'argent. Nager en utilisant. Ouais, ça je sais. Regarde, on va le refaire. De toute manière, il faut pouvoir descendre. Je sais pas si vous avez vu, mais avant on pouvait plonger de 3 mètres. Et maintenant. De 6. Ok, génial. Ah mais ça. Regardez. Ça nous permet peut-être d'ici on savait. Oui, d'accord, on savait certainement pas y aller. Oh, mais c'est génial. On va aller voir. Ils sont dans un secret ou quelque chose comme ça. À qui il y a? LOL. Salut. Ok, je voulais juste y parler, mais bon. Je suis un Zora. Non. As-tu vu quelque chose d'étrange dans le lac? Le fleuve véhicule souvent bien des curiosités. Ah bon?
Ah, donc pour remonter, peut-être qu'il faut aller par en dessous là, il y a un passage en dessous. Enfin, pour remonter dans le village, je veux dire, enfin dans le domaine. On va venir ici, on va voir ce qu'il y a. Donc c'est l'endroit où on pouvait pas accéder, hein. Qu'est-ce qui s'y trouve? Des épouvantails, est-ce qu'on peut les péter? Parler. Pardon. Je suis bonne ouïe, l'épouvantail. Musical et génial. Moi, je n'oublie jamais une mélodie. Eh ben moi, c'est tout le contraire, vois-tu? Peu de magie. Même si on était déjà à fond. Et toi, t'es quoi? T'es l'épouvantail, quoi? Mon nom est Pierre. L'épouvantail. J'adore les rythmes entraînants. Mais je suis planté ici. Le mec, quoi. J'adore les rythmes entraînants, mais attendez. Mais je suis planté ici. Trop fort. Ah, on l'a eu. Regardez. Vous enfermez un insecte dans une bouteille. Gardez-le ou libérez-le en appuyant sur C. Cette petite bestiole adore se cacher dans la terre. Bon, on va le garder. Ce sera notre animal de compagnie. Bon, où est-ce qu'on peut aller? Waouh, la lune, vous l'avez vu passer? Genre, salut, je fais que passer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Laboratoire du lac, nous tentons de percer les secrets du lac, il y a le scientifique. Oh. Wouah! Cette tête! Salut à toi, mon garçon! En mélangeant l'eau du lac, il y a des trucs baveux, je fais des potions dégueulasses. Ça donne très très... Ça fait très très envie. As-tu déjà rencontré la petite... La petite vieille de l'apothicaire? Elle est comme mon élève et teste toutes mes potions. Niarf, niarf, niarf. Je sors de chez toi, ça fait peur. Tu fais peur aussi, en fait. Je t'explique. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les faits ici? Parce que c'est très très bien tout ça. Mais... Outil nous a dit... Ah oui, je sais. Il nous a dit, est-ce qu'on a vu quelque chose au fond de l'eau? Je sais pas quoi. On va fouiller un peu. Mais aussi, j'aimerais aller là. Donc il doit y avoir quelque chose en dessous de l'eau, mais... Ouais, on va aller voir après. D'abord, j'aimerais aller voir là. Qu'est-ce que c'est? Ah, flûte, hein, par réflexe, j'appuie sur le bouton A. Comme quand on court pour faire une roulade et aller plus vite, mais dans l'eau, ça nous ralentit puisque ça nous fait faire un plongeon. Enfin, on plonge dans l'eau. On peut pas monter? Ah, si, on peut. Étang, le poisson mort d'aujourd'hui. C'est rassurant encore une fois. Ah ok, c'est là. Pourquoi il y a la musique? Ok. La partie de pêche te coûtera 20 rubis. Oui. Tu n'as pas de kit de vibration. Tu ne pourras malheureusement pas sentir les poissons taquiner ton hameçon. Non! Pas de vibration pour toi. Bon, je t'explique. Approche-toi du bord de l'eau et appuie sur Z pour repérer un poisson. Envoie ta ligne vers ce poisson avec B et appuie sur A pour arrêter le déroulement de la ligne. Remue la pas avec... Oh mon dieu! Remonte ta ligne avec A et appuie sur R pour l'enrouler. Et ça, c'est pas trop compliqué? Mon dieu. Sur une touche, accroche-la avec A. Et vers le bas, remonte ensuite la ligne avec A. Tu as bien tout compris? On va dire oui, parce que j'ai pas envie qu'il répète, mais... Je serai généreux aujourd'hui. Je peux pêcher aussi longtemps que je le désire. Hein? Tu peux pêcher aussi longtemps que tu le désires, mais tu ne pourras conserver qu'un poisson. Le poisson le plus gros jamais attrapé pèse 6 livres. Au fait, change ton angle de vue avec Z après avoir jeté ta ligne. Allez hop, à la pêche. On a une canne à pêche. Bon.
crois que j'ai à peu près compris. Ok, ok, j'ai cru qu'il y avait un poisson, mais en fait c'est juste notre hameçon qui a une forme de poisson, génial. Mon dieu. Faut juste attendre ou... Ok, c'est pas grave, on va arrêter. Bon, je dois pas être très fort en pêche. Wait. C'est lui le plus gros poisson jamais pêché. Ok, c'est pas grave, on va quitter. Oula oula, les cannes ne sortent pas. Oh, ouais, pardon. Ta journée de pêche est finie, rapporte ta canne au patron. Le plus gros, ouais, c'est lui. Tiens, reprends ma canne. Flûte, j'ai passé le dialogue. Non, je voulais pas mettre ça. Allez, au revoir. Non. Non! 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 Bon, tant pis. 40 rubis dans le vent, mais c'est pas grave. Ça me permettra d'en récupérer. Oh non, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je m'en fous, allez, tiens. Prends tes cannes à pêche. Please. J'ai voulu faire une roulade, je lui ai reparlé, quoi. Pff, sérieux. Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau là? On va se rattaquer aux quêtes que je connais parce que la pêche, enfin que je connais. Je sais même pas ce qu'il faut que je cherche au fond de l'eau. Ah, il y a un truc là. Bon bah je crois que j'ai trouvé. Ça doit être ça, non? Watch out! C'est quoi ça? Oui, j'ai compris. Okay, plonge profond maintenant. Vous obtenez une bouteille vide. Enfermez-y. Il y a quelque chose dedans. Enfermez-y quelque chose et puis ça. Elle est pleine. Bah, bien sûr qu'elle est pleine. Et on a un troisième bocal, génial. On peut pas l'utiliser. Ah, ce réflexe de faire une roulade. Il est où l'autre là? Le Zora, le Zora. Ah, il est là. Salut. Salut. Je suis un Zora. As-tu vu quelque chose d'étrange dans le lac? Oui. Je peux pas. Non. Bon allez. On va les lire. Enfin si on peut. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un mot dedans. Qu'est-ce qu'elle dit? Je me demande si c'est rien. C'est quelque chose. Oui je sais. Mais je lui ai déjà demandé. Hein? Il y a quelque chose dans cette bouteille. C'est une lettre. Bravo. Allez, je suis enfermé dans le ventre du grand Jabou Jabou. Signé Ruto. Pièce, n'en parlez pas, père. Why? Est-ce que monsieur le Zora veut bien revenir? Je crois qu'il est plus loin. N'en parlez pas, père. Oh, t'es gentil, mais je vais pas me priver. Oui, il est là. Il était pas très très loin. Mais pourquoi j'en parlerai pas à ton père? Je suppose que c'est lui qui doit me donner la pierre en plus.
Si je lui rends pas service, il va pas me la donner. Hein. Je suis okay. On va aller voir ici. Allez Link, on revient. J'imagine que ça nous fait revenir. Oui. Mais je vais aller en parler direct à son père, hein. Écoute. Pas de raison. Moi, je suis comme ça, je suis un très tout. Je suis une racaille, attendez. Non mais, non mais. Bon, on remonte, c'est lent, c'est là. C'est là. Allez. On retourne voir le magnifique, magnifique roi. Tellement splendide et tout. Tiens, si je te montre ça, tu dis quoi? Oh, cette lettre. Eh, de la princesse Ruto. Bravo, Einstein. Voyons voir. Elle est dans le ventre du grand Jabu Jabu. C'est incroyable. Notre dieu protecteur, le grand Jabu Jabu, ne ferait jamais une chose pareille à la princesse Ruto. Mais c'est elle qui va lui donner à manger aussi. Mais depuis la venue de cet étranger Ganondorf, le grand Jabu Jabu est un peu pâle. Les faits sont clairs. Tu dois te délivrer notre Ruto. Passe derrière nous et dirige-toi vers... Nous ? Nous ? Tu serais pas un peu schizophrène ? Non ? Et dirige-toi vers l'hôtel du grand Jabu Jabu. Attendez. C'est quand même pas maintenant. C'est quand même pas maintenant le bruit le plus épique du jeu après la personnage le plus épique du jeu. Je crois que si. Mais gardons cette lettre, tu peux conserver cette bouteille. Cool. Nous t'en prions, sauve la princesse Ruto. Écoutez ça, j'augmente le son. Je me demande vraiment ce qui est passé par la tête des devs quand ils ont fait ça, parce que déjà la cinématique elle dure super longtemps pour voir ce qu'il fait, franchement, pour voir ce qu'il fait quoi. Il va sur le côté, ça dure super longtemps, et en plus le bruit quoi, en plus il est en rythme, sérieux, ça doit être du gros troll. Ils ont dû s'éclater quand ils ont fait ça quoi. Mais genre vraiment n'importe quoi. Des fois dans les jeux, il y a des trucs comme ça quand tu te dis les devs ils ont pété un câble ou... C'est quoi le blême? C'est quoi le blême? Fontaine Zora. Ah, c'est donc... J'avais oublié sa tête. J'avais oublié sa tête. J'aurais pas dû oublier sa tête. J'aurais pas dû. Comment ça s'oublie un truc pareil? En fait, je me suis trompé. C'est lui le personnage le plus... un bruit en plus, t'as l'impression que c'est... il fait un bruit d'avion quoi. Ah non, pas d'avion, pardon. Il fait un bruit d'éolienne. Il fait un bruit d'éolienne. Je sais pas si vous avez déjà été à côté d'une éolienne, mais ça fait ce bruit là. Non, je vais pas l'attaquer. J'ai vu parler à un moment. Vous voulez dire que cette chose parle? Mais... Écoutez, on va faire un truc. Viens là. Oula. Ça fait quoi si je fais ça? Absolument rien! Ok, donc c'était pas ça. Mais j'ai vu parler. Mais allez!
Ok, ça dit quoi ici? Fontaine sera à ne pas déranger le seigneur Jabou-Jalou. Hardcore. Rien du tout le mec. Je regarde ce que j'ai, mais... Non, je voulais pas plonger encore une fois. Comment je fais pour remonter? Comment C'était quoi ça? Dites-moi que je peux remonter là. Wait. Je remonte par où? Sérieux? Je crois que je vois, mais sérieux, je vais faire tout le tour. Genre, mais faites pas sauter là, quoi. Ok, c'est bien. C'est par ici qu'on peut revenir. Non, mais il faut lui faire quoi, lui? Je sais plus du tout. Ne pas le déranger. Ne pas le déranger. Elle sait quelque chose l'autre encore là? Attendez, c'est quoi le chant? Non, c'était pas... Ah, et puis... Ouais, moi les chants, c'est pas ça. Ok. Allez. Elle sait quelque chose, elle peut-être? Tu veux parler à Saria? Oui. Link, c'est Saria, peux-tu m'entendre? Oui. Cherches-tu? Oui, mais je sais très bien. Non! Non! Non. Please, quoi. Ah, mais faut lui faire quoi, lui? Il va pas me saouler, lui. Est-ce qu'ils aient le roi déjà? On va les demander au roi peut-être. Oh, je suis désolé d'être noob peut-être à ce point, vous savez peut-être même sûrement. Mais... What? Il parle plus. Ah non, mais je m'en veux tellement, je suis désolé. C'est la princesse route. Oh, ouais, t'es gentil toi, tu peux pas me dire plus. Non. Ne pas le déranger. Ah. Pas le déranger, mais non. Ah, je comprends pas. Mec qui sait plus quoi faire. Ok, on me donne ça. Ah, attendez, je sais. J'ai une idée, en tout cas. Si c'est ça. Mais mon dieu. C'est pas ça du tout. Ah, 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 ah. Je vais
j'ai pété un câble. Ah, oh, mais mon dieu, quoi. Bon, écoutez, on se fait une ellipse. On se fait une ellipse. Là, je suis désolé, mais on se fait une ellipse. Ok, j'ai peut-être une idée. Je veux dire que j'ai cherché, hein, évidemment. J'ai pas... Enfin, je veux dire, j'ai cherché. J'ai cherché une solution, je veux dire. Je suis vraiment désolé, je m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai que je me souviens d'un truc comme ça et qu'on avait des indices pour et j'ai pas assez réfléchi. On avait les indices pour. D'ailleurs, je vais les expliquer les indices pendant qu'on y va. Déjà, vous avez entendu, le roi nous dit tu peux garder cette bouteille. Donc vous venez de le voir, j'ai équipé une bouteille. De plus, qu'est-ce qu'elle fait la fameuse princesse avec notre cher ami Jabu Jabu? Elle lui fait quoi? Elle va le nourrir. Donc, on va utiliser notre bouteille comme le roi nous l'a laissé. Et on va le nourrir avec du poisson. Normalement. Et j'espère que c'est ça. Bon, c'était très subtil, je vous l'accorde. Et ouais, je trouve que c'est très très bien fait, mais très très subtil. Et il faut vraiment, parfois la réflexion. Il faut aller loin, quoi. Parce que n'empêche, pour que se dire que le mec nous a dit tu peux garder la bouteille, donc ça veut dire qu'il faut utiliser la bouteille et se dire elle va lui donner à manger, donc faut lui donner à manger. C'est waouh, faut quand même y penser. Hein. Parce que bon, moi j'y ai fait attention à ces phrases là, mais parfois il y en a peut-être qui font pas spécialement attention au moindre mot de chaque personnage, quoi. Donc normalement pour cette fin d'épisode, voilà, c'est ça. Oh mon dieu, comme ça aurait été galère, quoi. Et donc, Jabu ne peut s'empêcher d'aspirer le poisson. Et nous aussi. Et donc, on est dans un endroit splendide qui s'appelle le ventre de Jabu. Bon, c'est le moment de se laisser, je crois. Parce que là, franchement, j'en peux plus. Ah non, c'est pas le moment. Dégagez. Ok, c'est bon, on est tranquille. Bon, bah on va se laisser là dans cette magnifique vue. C'est somptueux pour cet épisode. Et là, donc, la prochaine fois, on s'attaquera à ce... entre guillemets aussi... Enfin, non, pas entre guillemets. À ce temple qui est le ventre de Jabu Jabu. Oui, c'est un temple un petit peu spécial, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, pour récupérer, donc... La troisième pierre ancestrale, donc celle de l'eau qui appartient aux auras. J'imagine donc qu'en sauvant notre chère princesse Ruto, nous allons recevoir un cadeau du roi, j'imagine. J'imagine, hein, c'est comme ça depuis le début. On accomplit une quête et puis on nous donne la pierre en récompense. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu malgré ma noobitude, oui on va dire c'est comme ça, devant le grand Jabu Jabu, parce que... Ça a été... Waouh. Ça a été compliqué, j'ai envie de dire. Donc voilà, on se retrouve dans une semaine à nouveau pour l'épisode numéro 11 de ce Let's Play. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce vert et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Et... please, la bulle. Please, la bulle. Non, c'est bon, on se barre. Et donc, on se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye tout le monde. We'll be right back.